Yo. Isaac, continue. On est à 137 secrets, il nous reste donc pile poil 100 à réaliser. Objectif du jour. Par rapport à hier, ne pas rager comme jamais. Hier, j'avoue que les parties avec Eve ont été compliquées. On a fait quoi? The Lumb, Mega Satan et Delirium, grâce à un Magic Mush trouvé dans un champi. Personnage, s'il en est extrêmement détestable, objectif, ne pas rager. J'y crois. C'est parti. Donc, de ce que j'ai pu comprendre hier, faut absolument pas perdre ses cœurs au début, quoi. C'est vraiment le plus important. Le DPS vient des petits bonhommes qu'on a. Et pour les avoir, il faut garder ses cœurs. Ah, voilà, exactement. Ce que je disais, ne pas perdre ses cœurs. Mais je rage pas. Je rage pas du tout. Tout va pour le mieux. Ouais, on va essayer de faire qu'un petit pote. Il reste coincé, il revient. Et on est censé faire boss rush dans le tas. Donc faut quand même aller vite, en théorie. Mais avec ce perso, c'est injouable d'aller vite. Parce qu'il commence avec 0 dégâts. Donc soit faut se tonks très, très vite sur les cœurs rouges pour avoir moyen de... Donc c'est pour commencer, c'est une mise en jambe, je ne ragerai pas. XL là pour commencer. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir ces ennemis là dans le premier étage. Très bien, c'est bon. Ça donne une petite sécurité, je peux garder mes 3-4 potes. Théoriquement aussi, si on arrive à garder nos cœurs rouges, on doit pouvoir faire la salle... Jamais je peux passer là. La salle en haut là, avec le Sanctorium. On peut mettre des cœurs rouges de côté en fait, si on les perd pas. C'est con que je puisse pas aller chercher ceux qui sont là-haut. Allez. Hop. À la recherche de cœur rouge. Un petit objet sympa sur le début serait pas mal. On carry un peu. The Moon, ça peut être très bien aussi. C'est pas bien du tout. On va même pas le prendre. Et l'arme magnétique. Voilà. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. Oh. Alors peut-être. On a des cœurs rouges. On va zoomer maintenant. On a un peu de pognon. Il y a des choses à faire. Potentiellement. Un le cup. Un cœur bleu. Vu qu'on est en XL, je pense que je suis obligé de le prendre tout de suite. Je vais garder mes chances de... Ben, on a bien fait. Par contre, réussir à se prendre une mouche directement, c'est pas... pas the game la prouvance d'un niveau de jeu exceptionnel, on va dire. Non. Je ne rage pas, je reste positif aujourd'hui.
Oh, ça va si vite. Bah attends, j'ai peur. Ok, boss numéro 1, c'est fait. La boule, code speed up. Ah, on le tente tout de suite, je pense. Hein. On ira chercher l'autre treasure room après. Oh, avec Death en plus. Voilà, oh, bon objet. On a un start. On a un start. On a un start. Encore un petit cœur rouge. Deux. Moyen de faire la sacrifice, peut-être. Enfin, ça, on peut l'amener vers nous, du coup. On fait ça. On va être patient. Hein. C'est une protection. C'est pas fifou, mais toujours ça de prix. C'est un début de game pas si dégueu. On peut tenter la sacrifice, je pense. Je pense qu'on va la tenter et de gratter des trucs. Un, deux. On perd vraiment beaucoup en fait. J'en ai déjà plus. Bon, ok, c'était pas une bonne idée. Ouf. Oupsi. Je me suis trompé. Je pensais pas que j'allais perdre autant de cœurs aussi vite, mais. J'aurais pu m'en douter, quoi. Justice. On a 6 de dégâts. Donc c'est déjà pas si mal ça. On va aller côté Mother, hein. J'ai pas l'impression que c'est un start suffisamment rapide pour partir boss rush, mais à voir en fonction de ce qu'on trouve de l'autre côté. Surtout maintenant que j'ai perdu les petits potes, je pense que c'est trop dangereux d'y aller. Ça va être vraiment compliqué hein, ce personnage. Franchement, tellement fragile. Que si je pars pas avec les petits potes, jamais je passe les salles, c'est encore plus dangereux. Oh est-ce qu'on commence direct? Et est-ce que je vais en orbital? Oh, j'ai envie d'estaquer. On va partir sur des cœurs gris tout de suite. Ok, on va avoir un orbital au départ, mais c'est pas si grave. Une assurance vie. Théoriquement. Si je me... Je vais pas déboîter trop vite. Encore un cœur gris, les 3 balles, on devrait pouvoir les trouver. Et le cœur rouge aussi, j'aimerais bien le prendre. Des bombes, j'ai 2 clés. C'est pas dégueu comme start. Oh, je pensais que ça passait. Du coup, j'ai perdu mon pote en plus. Putain, j'ai déjà perdu mon cœur gris. On a dit qu'on ne rageait pas. On ne rage pas. On rage pas, mais bon, on est quand même dans la merde. C'est bon, j'avais un bon start. J'aimerais bien qu'il vienne ici, mais... Laisse-moi 2 secondes que j'amène le coffre. Ouais, reste là-bas. Reste là-bas. Non, j'ai pas réussi. Oh, quel dommage.
si on crève pas sur ça. C'est pas normal. Ouais, on va les reprendre. Hein. Ah, pas de bombe. C'est con parce qu'avec un autre perso, ça aurait été vraiment des stars insane. Avec lui, je le maîtrise tellement mal que bah, ça part pas bien quoi. Pour le boss, ça pourrait peut-être bien, mais ouais, si on va faire le boss avec ça, pas de consommable malheureusement, et c'est de ma faute parce que j'ai pas cassé le coffre de pierre comme j'aurais dû. Déjà ça a pris quoi. En plus, il va donner un cœur bleu en crevant. Il va me rendre le cœur bleu si je meurs pas sur lui. Quoi. Vraiment que j'apprenne ça quand il charge, faut pas que je les touche parce qu'ils dévient trop de leur trajectoire. On va reprendre le bouquin. Il y avait tellement moyen de faire plus sur cet étage. C'est vraiment dommage. Bam, bam. Un start bouquin de révélation, normalement c'est un très bon start. Hein. Normalement. Dans quel monde ça se passe bien? Les touches d'ici. Tout à fait. Et... Mmh. Les ressources, s'il vous plaît. Allez. C'est une bombe. Allez. Bon, je tente le coffre là d'abord. Plus de chances d'avoir des ressources là-dedans. Cœur bleu, très bien. Minute 37. J'ai fait combien? C'était pas un XL celui d'avant. On peut les tuer assez vite. C'est pas mal. Oh, une cliff. Des ressources, donne. Là, on a plein de potes, si on peut les garder un petit peu. Ça peut nous carry. Je vais le faire tout de suite, je pense.
pour essayer d'utiliser mon bouquin. Plutôt et le recharger. Un cœur blanc, c'est très bien. Once de planétarium assez tôt, pourquoi pas. On va partir côté Mother, je pense. Les cœurs blancs qui part en premier? Ouais, donc du coup, je vais pas le... Un sanctorium. Je veux pas perdre mon cœur blanc. No way. On a récupéré une bombe, on peut tenter ça. Deux fois la même. On tente la pilule. Allez. Ah, le speed down, c'est moche. Allez, on a tenté, on a perdu. Cool. You. Oh là là. Tout à côté. Allez, un bon chop. Car batterie je veux. Oh j'aurais pas dû utiliser ma bombe. Aïe 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 aïe. Car batterie c'est ça peut être GG quoi. Ça fait quoi ça déjà? Oh, il va me manquer deux de thunes là. Allez, donne-moi une bombe ou deux de thunes. Car batterie c'est OP là. Deux cœurs à chaque utilisation. Et c'est pas un GG, mais c'est presque. Il manque une pièce là, dans un des caca, il y a bien une pièce. Allez. Oh non. Non, pas comme ça, Zinedine. Il y avait une bombe au shop ou pas? Pas de bombe non plus. Ah là 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 là. Je pense que je vais voir en cœur Froome. Hein. Vraiment besoin de la pièce là. Par contre de là à perdre un cœur et demi non quoi et mes potes. Oh il donne rien. Non 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 non, j'ai aucun moyen de la faire cette pièce qui me manque. Si j'avais pas bombé comme un débile ah, c'est mort. Il n'y a rien qui me la donne. On va refaire un tour. De toute façon, je suis pas parti pour faire un temps rapide. On sait jamais que j'ai pas cassé un caca ou un feu quelque part, mais je crois pas. Dommage. C'était probablement une win. Salut monsieur Filou YouTube. Ou YTB, je sais pas comment tu préfères qu'on prononce. Comment ça va? Bon dimanche à toi. Là je rate. Je rate un bel objet pour une pièce qui me manque, que je peux pas récupérer. On peut pas les pousser comme ça. J'aurais eu la carte batterie pour double utilisation. Et qu'on va juste faire ça et ça. Hein. Non, même pas. Je vais juste prendre le cœur rouge et c'est tout. Merci. Puis joueur d'Isaac également. Pourquoi tu stresses?
C'est plutôt cool, non? J'avais la pièce là. Oh, je suis trop bête. Non. Ah, j'ai pas été voir dans cette pièce, dommage. Peux-tu m'expliquer ton stress? Si tu veux un concert, c'est cool. Tu stresserais. Ouin, ouin. Bien touché, voilà, aussi. On veut quand même des vrais items. Ah, c'est toi qui joues. Trop bien. T'es dans un groupe de quoi? Quel style? Enfin, t'es musicien, je suppose. Non, t'aurais dit que tu chantais plutôt que tu jouais. Je suis pute. Ouais, guitare électrique rock, trop cool. Il y aura du monde. C'est ton premier, enfin c'est... Raconte. Enfin, dans tous les cas, ça va être une bonne expérience, je pense. Yeah. Car batterie, c'est bien. Non, c'est pas car batterie, mais juste plus de batterie. Ça la recharge. Vas-y, on va le jouer tout de suite, je pense, quand même. J'avais pas 15 balles. J'ai mal vu. Non, c'est bon. 200 personnes, au minimum 100 personnes, mais c'est trop trop bien. Du coup, ton groupe, il est un peu connu, non? Et genre à quoi hein, c'est un festival, tu sais, enfin c'est... KGG. Aïe. Ouf. Mériter de me la manger ça. Non, pas vraiment. Écoute, en tout cas, bonne chance à toi. Et au... enfin, en plus, si t'en as déjà fait plusieurs, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ah, j'ai perdu tous mes petits potes. T'as fait de la musique en retard. Ah. T'es dans quelle région? Petit cœur bleu. Ouais, je trouve des bombes là pour les boss parce que. C'est chaud là. Ouais, c'était sûr. C'était compliqué. Ah, j'ai pas vu la flaque. Elle est infâme cette salle. Hein. 3 mobs d'élite. Mort comment? Ah, j'ai utilisé tous mes bonhommes bleus, je suis trop con. Hautes Alpes, ok. Bah écoute, amuse-toi bien, hein. En vrai, profite à fond. Curse of the Blind. La partie d'avant, je dois jamais la perdre. Hein. Jamais. Mmh.
Le truc, c'est que c'est mon dernier avec mon groupe, je le quitte en fait, c'est bizarre. Ah! Ok. Est-ce que tu bouges ou t'en avais marre hein? Enfin, dans tous les cas, il faut quand même en profiter, que ce soit le dernier ou pas. Pas d'autant plus en fait. D'autant plus. Là là. Avec le groupe, mais après quand je le ferai, ça sera tout seul sur la scène. Les prochains concerts, pas celui de cet après-midi. Tente une partie solo. Les prochains. Bon, on regarde plutôt à fond. C'est vos propres chansons ou c'est des reprises? Chaud. J'ai eu des bombes. Ouh. Mais de rien. Small Rock, c'est bien, mais le speed down. On est déjà une galère. Une compo et Eyes of the Tigers officiel. Oh, attends. Pas tout compris là. Hop. Que la chanson Eyes of the Tiger je connais comme tout le monde, mais du coup je comprends pas exactement ce que veut dire la phrase. C'est une compo, une composition à vous sur cette musique là. Serait-ce ça? Ah, tu joues deux morceaux, ok. Ok, pardon. Bon, mauvais. Je sais pas si je serais capable de faire ça en vrai. Enfin, quoi qu'avec un groupe, ça doit être un peu plus facile parce que du coup, t'es pas le seul et. Mais sinon. De réussir à monter devant plein de gens et je suis tellement du genre à stresser. Et du coup j'admire les gens qui sont capables de le faire. Trop stylé quoi. Aïe. Common Call, c'est pas dégueu comme objet. Il y a mieux, mais c'est autre. Qu'on ait du tir rate tout grâce au Small Rock. On manque des cœurs gris, quoi. Ouais, ouais. On n'est pas toujours ensemble dans les morceaux, du coup c'est bizarre. Ouais.
Il y avait rien au shop, je crois. Il y avait un cœur gris, quoi. Je sais plus. Non, mais ça va être trop bien. Je peux essayer ça. Trois cartes, il y a bien moyen d'avoir quelque chose de cool dedans. Deux moon. Empereur inversé. Je pourrais essayer de choper un boss un peu plus fort pour un objet de plus. Je vais essayer, je pense. On va d'abord The Moon, voir ce qui se passe. Des bombes. Ça peut être cool aussi. On a des choses. Les bombes, du coup, ça peut nous aider sur le boss un peu plus loin. Groupe de 3, mais il y a des gens qui se sont rajoutés comme ça sans prévenir. Comment c'est possible, ça? Comment les gens ils peuvent se rajouter sans que vous ayez votre mot à dire? Faut s'imposer. Merde, j'ai raté la bombe. C'est pas grave, ici. Je sais pas. Des gens que t'apprécies pas trop, du coup, je suppose. On va le bomber vite, lui, parce que sinon, je vais jamais réussir à le tuer. Allez, ça dégage. Un bon objet. Oh, c'est un toil. On a encore un bon start. Faudrait que je le ruine pas cette fois-ci. C'est bien. On peut tenter de roll pour un cœur gris aussi. Allez. On est pas mal, c'est un bon start. Mais en plus, j'ai pas l'autorité. Bah, t'as pas l'autorité. Qui est-ce qui gère le groupe? C'est toi et tes potes ou? Poum 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 poum. Allez, on avance. On a plein de ressources grâce au Fight Poop. Peut-être pas la ruiner celle-là. Ça peut potentiellement encore être boss rush. Et on se bouge un peu. Bof. Hein. Double trinket, pourquoi pas. On va bomber la machine, là il y a trop d'opportunités de la réussir cette run. Oh oui, surtout avec ça. Ah d'accord, c'est avec ton avec un prof de musique. D'accord, ok, j'avais pas tout le contexte, je comprends mieux. IPK, c'est même pas la peine avec ce build. Du coup c'est cool que votre prof il fasse ça. Donc il y a une organisation avec représentation et tout. On a un très bon build, va falloir tenter de boss rush là. C'est vraiment bien qu'on y arrive. Potentiellement boss rush The Beast. On va essayer ça. On a du dégât, on a réussi à build des cœurs. On va avancer maintenant. Manque juste de la speed. Let's go. Très bien. Encore du tier rate. Hop. On prend. On pourrait partir côté ouais non, je vais vraiment tenter. C'est assez complexe, vous faites. On fait pas que jouer, on organise aussi. Ok. Ah bah ça peut être le plus chiant si t'aimes pas trop ça, effectivement. Oh, bah c'est un taf hein, de savoir organiser.
Oh, allez, un bouquin. Comme ça, j'instant mom. Je pense que je prends. Ça, c'est trop bien pour. Ah non, je peux. Je vais quand même prendre. Je vais quand même prendre ce bouquin-là, ça augmente mes chances. Et si j'arrive. Ça augmentera mes dégâts à chaque. Enfin, toutes les deux waves de boss rush. Je pars sur ce bouquin-là, je pense. Qu'est-ce que tu sais pas comment ça s'écrit quoi? Quel mot? J'ai marqué. Une bombe contre deux bonbons. J'aurais préféré les cœurs, mais. D'ailleurs, D apostrophe AI2LURS. Pas le temps. On veut vraiment boss rush. Pas si c'est ça lol, mais ça a mis un emoji. Oh oui, ça peut accélérer les runs, ça, on va le prendre aussi. On augmente nos chances de Devil Deal, enfin de Danger Room du coup dans notre cas. Pour aller quand même, je vais aller chercher les pièces. Je vais prendre la Bible pour voler, récupérer la thune. Pourra quand même me servir. Par contre, ma speed, c'est une catastrophe. Je perds pas mal de temps à faire ça, mais bon. Je vais pouvoir rush les boss après. Potentiellement les ressources. Le cœur. On reprend le bouquin et on y va. Cave 1, il me reste cave 2. Il me reste 3 étages en 10 minutes. Pff, ça va être chaud. Surtout avec cette speed. Au pire, je vais skip plein de trucs, plein d'étages et si je vais vers The Beast après, je pourrais les reprendre dans l'autre sens. Enfin, dès qu'il est un peu tiré, le perso il devient presque agréable. C'est fou, hein? Presque, hein, faut pas déconner non plus. Mais... ce que je prends. On va dire lui. Dans le coup, je peux avoir des cœurs et ça me donne plus de bonhomme. On va garder le caca. Hop, hop. Putain, mais c'est quoi ces items là? J'aurais dû le skip en vrai. Allez, la salle de boss, là, il faut la trouver. Faut accélérer un peu le mouvement, 12 minutes. Ce stun, c'est parfait ça.
C'est quoi ton jeu? Tu connais pas du tout? Du coup, ah, c'est marrant, du coup tu vas sur des streams un peu au hasard sans connaître les jeux auxquels... C'est cool d'ailleurs. Merci pour le follow d'ailleurs, j'ai même pas vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Ça s'appelle The Binding of Isaac. C'est un jeu assez complexe, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à connaître, mais en gros le but du jeu c'est de réussir à s'échapper de ma maman qui essaye de me tuer. Pas hyper joyeux, mais le jeu a eu des années et des années de développement. L'image avait l'air cool, bah ouais, le jeu est assez marrant. On va aller au boss direct, hein, j'ai vraiment pas le temps. Hop. Mais ouais, le principe c'est ça, c'est plein de salles à la suite qui sont générées aléatoirement parmi un panel de salles disponibles. A plus. Ça c'est toujours bon à prendre. Je pense qu'on va rush les étages. Perfection, on va dire. Je peux tenter The Sun ici. Et voir si c'est loin. Ouais, c'est trop trop loin. Je pourrais pas y aller, j'aurais pas le temps. Je suis PTP. Si je veux boss rush, j'ai vraiment pas le temps de faire toutes les salles. Hop. Hop, hop. Oh! On va prendre le temps. Ça. Ah, attendez. J'ai l'impression qu'il y a un souci dehors chez moi. Bougez pas, je reviens. Truc un peu chelou dehors, navré. En fait, à chaque boss que tu tues, il y a un nouveau monde. Ouais, en gros, tu passes à. Tu descends dans les étages. Et tu trouves des nouveaux objets. Certains qui vont t'aider, certains qu'il faut pas prendre parce qu'ils sont pas bien. Et là, mon personnage, en fait, il perd de la vie quand je tire. Et je reste appuyé sur le bouton, mais il génère des petits copains qui l'aident à attaquer. Du coup, il est bien au début, puis... Non, il est nul au début, puis il peut être bien après. Il y avait... dehors, apparemment, là, il y avait un mec qui a essayé de voler des trucs à une personne, il s'est fait choper par des gens. C'est un peu bizarre. A priori, tout va bien. Ah c'est con parce que je sais pas où il y a le boss là. On va prendre 14 minutes pour faire deux étages. Quand je garde tous mes petits potes là, j'ai vu là les dégâts. C'est plutôt cool. Aller vers l'eau. Ouais bah après il peut y avoir des trucs chelous qui se passent autour. Donc j'ai trouvé le boss, j'ai trouvé le shop. Oh BFF c'est trop trop bien. BFF c'est vraiment trop trop bien. Par contre j'ai plus beaucoup de vie quoi. Allez, donne-moi une bonne God Room. On va prendre les cœurs gris, je pense.
Oh, je l'ai fait dans le mauvais ordre par contre. Hop. Il peut toujours avoir des trucs chelous en ville. Je peux pas directement me TP au boss parce que j'ai pas la carte de téléportation pour revenir en arrière et j'en ai besoin. Il dure pas longtemps, bah là c'est juste que j'ai un build craqué. Sinon je suis mort je sais pas combien de fois avant donc. Et j'ai eu de la chance quoi. Sur les objets que j'ai trouvés, c'est surtout ça. Ça ne vient pas d'un talent particulier là pour l'instant. Ou la carte de téléportation très vite. J'ai tué le pied de moment. Hop, hop, hop. Allez, bon j'ai trouvé le boss mais je peux pas y aller tout de suite. Il faut que j'y aille en moins de 3 minutes après. Normalement niveau timing on est pas trop mal. Juste que je trouve un crâne avec un avec une croix dessus. Mes petits bonhommes, c'est ce que je... En fait, c'est... quand je reste appuyé sur le bouton de tir, il y a une espèce de cercle qui se dessine là, et quand il se remplit, ça m'enlève un demi-cœur, et ça fait apparaître un petit bonhomme. Mais du coup, je peux le faire au début, mais après, faut pas trop le faire, parce que du coup, tu perds de la vie en le faisant, quoi. Donc après, du coup, là, j'appuie par intermittence sur le bouton pour éviter de... Comment dire, pour éviter de perdre ma vie, quoi. Quand je considère que j'ai assez de bonhommes. La map. Un cœur. Là, par exemple, tu vois, il y a un cœur rouge que je vais pouvoir ramasser. Donc là, je reste appuyé. J'ai créé deux petits bonhommes en perdant deux demi-cœurs. Et je le re-remplis. Comme ça, je regagne ma vie. Simplement. Allez, on va battre le boss. Et on se téléportera en arrière pour aller à une fin alternative après. C'est parti. Donc ça, c'est une première partie de maman là qui essaie de me taper dessus avec son pied. Hop, ça c'est réglé. Donc on a déjà fait... On va prendre le truc de gauche. On va prendre ça. On va aller faire 15 boss d'affilée là, ce qu'on appelle le boss rush. On va pouvoir choisir parmi les objets qui sont là, ils sont tous un peu nazes. Oh ça c'est bien. On va faire ça. Ça. On va bien rapatrier mes bonhommes, là. Je sais pas pourquoi ils sont tous partis, je ne sais où. Il y en a encore qui sont en bas. On va jouer ça plutôt. De toute façon dont la salle est disposée, c'est pas ouf pour par rapport à mon perso, mais bon. Il est où l'autre boss? Il est en bas. On récupère un cœur rouge. Encore un. Ok. Ils sont où là? Ça dégage. Oh, il a lâché un caca rouge. C'est trop chiant ça parce que quand je rentre en contact avec eux. Ah, ça te dit quelque chose, Isaac? Quand je rentre en contact avec les cacarous, je perds des dégâts, donc faut que je fasse gaffe à pas les toucher.
Qu'est-ce qui m'a touché? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Je me suis clairement trompé. J'aurais dû prendre le négatif et pas le positif. Je vais faire The Beast. Il est où le boss? Là-haut. Lâche-moi! Faut que je tue le cœur d'abord, voilà. Oh, je vais tellement pas assez vite. Dès qu'il est le boss. Oh, il est chiant, lui. Dans le sol tous. Ok. Restons concentrés. Ça dégage. Oh, il est dans le sol, je l'avais pas vu. Ok. Ouh. Là, je sais pas comment ça marche exactement. À chaque fois que je prends des dégâts, it hurts. On va aller vérifier ce que fait l'objet. Isaac. It hurts. Banning of Isaac. Alors. Quand je prends des dégâts... Je lâche des tirs et je prends un tears up pour la salle en cours. Ok. Ça me permet d'être plus fort à chaque fois que je me fais toucher. Ouais, c'était pas évident là de faire tous les boss d'affilée. On va générer d'autres. Tac. Il y a encore quelques cœurs là, on peut régénérer des bonhommes. Hop. Et on est bon. Encore là. Et on va se téléporter en arrière pour aller dans cette direction là. Et le reste, j'ai pas besoin de le faire en vrai. Bon, je peux essayer de gratter les cœurs peut-être quelque part. Ouf. Déjà tenté cette pilule là ou pas? Qu'est-ce que je peux avoir de bon là-dedans? Un D3, je sais plus ce qu'il fait le D3. Il reroll des trucs, mais. On va dire qu'on s'en fout. J'avoue là je parle un peu moins, je suis un peu concentré, il faudrait que j'arrive à aller au bout, là ça ferait pas mal de trucs en moins à faire. J'aurais pu aller faire Hush en fait. Pourquoi je ferais pas Hush plutôt? Je vais plutôt aller faire Hush, je vais me grouiller. Après les objectifs timés en moins, j'avoue que j'ai... En plus... Ah c'est trop con parce que j'aurais pu faire... Il fait n'importe quoi. Est-ce que j'aurais pu faire Isaac en même temps? Et maintenant que j'ai donné mon positif, je peux plus le faire. Bon, j'ai fait pas mal de conneries là sur les...
On va aller tranquillement faire hush. On aurait pu finir avec Isaac. Dommage que j'ai donné mon positif. C'est dommage. Hop. Good luck. Let's go. Ça, j'aurais pu quasiment finir le perso là si j'avais pas fait de la merde. Je suis encore large. Le bouquin. On va pas sacrifier nos cœurs rouges, on va aller faire hush. J'ai fait n'importe quoi. D'abord aller voir là-dedans. Rien de bien intéressant par la clé. Alors, on s'en fout un peu. Oh, parasitoïde, c'est trop bien par contre. Parasitoïde, c'est vachement bien. Ça me générera plus de mouches, puis on va partir sur lui, je pense. Même si ça sert plus à rien en fait, parce que j'ai plus d'autres objectifs à faire après Hush, vu que j'ai donné mon Polaroid comme un imbécile. Allez go Hush, on va essayer de le coup très vite. Si je perds pas mes bonhommes trop vite, ça devrait aller, mais... En plus, comme ça le ralentit, les... c'est pas mal. Attends, on aurait pu faire Isaac en même temps, je suis deg. Enfin, Blue Baby plus qu'Isaac. Comment tu veux que j'esquive là? Allez, meurs. Bah ça va, il m'a pas touché, mais il m'a viré pas mal de petits bonhommes quoi. Il m'a pas fait de dégâts, mais ouais, il m'a viré tous mes... Hop, ça dégage. Tool of Eve. C'est cool, mais maintenant je peux même pas aller faire... Dommage, on va finir là-dessus.
Bah ça va, mes cœurs en haut à gauche, j'en ai encore pas mal quand même. Oh, lui, il va pas faire long feu. On aurait pu. Du coup, ça va s'arrêter là parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais. On a fait Boss Rush Hush, ce qui est déjà très bien avec ce perso. Il va nous rester 3 fins. Ouf. Ça va être elle. Normalement, il aurait dû nous rester que 2 fins, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et ben, on va reprendre, je pense, hein. Du coup, j'ai plus à me soucier du temps. Jouer lentement maintenant, ça c'est cool. Là, quand on recommence une game, la tristesse quoi, j'ai plus de dégâts. En tout cas, BFF avec ce perso, c'est trop bien. Mais les petites araignées, c'est un boost ou c'est pareil que les bonhommes? Ouais, les petites araignées, c'était un boost. En fait, j'avais un objet. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Les araignées de couleur. Enfin, tout ce qui est de couleur bleue, araignée ou mouche, c'est des boosts. En fait, c'est elles attaquent pour moi. Elles vont se suicider en rentrant en contact avec un monstre. Et là, je les générais avec un de mes objets qui faisait un pourcentage de chance que les larmes que je tire soient blanches. Et quand elles touchent un ennemi, elles génèrent une araignée. Mais les araignées noires comme ça, non, c'est... Ça, c'est des ennemis. Ouais, j'ai recommencé une partie. J'ai fini celle d'avant. Alors le shop, ça serait bien, mais j'ai absolument pas d'argent. Let's go. Un objet décent. Ah bah voilà, ça c'est un objet du même genre. Celui-là. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Non, ouais, le jeu est cool. Cet objet-là, il fait un peu la même chose. Il va générer des araignées. Pour être plus connu, c'est pas vraiment un objectif, t'inquiète. Là, l'objet que j'ai eu, c'est à chaque fois que je tue un ennemi, je vais générer des petites araignées, des petites mouches qui vont attaquer pour moi. Nanana, nanana.
Et voilà, j'ai tué l'araignée, il y a une petite araignée bleue qui allait attaquer pour moi. C'est un très bon objet. Ouf. Ok, pas mort, c'est déjà pas mal. On tente la pilule. Largeur, ah, dommage. Cinq pièces, ça c'est cool. On va aller voir le shop d'abord. Et toi, tu joues à quoi comme type de jeu? Je sais que ma nièce, elle a à peu près ton âge. Elle joue à Minecraft et à Fortnite. Et c'est sympa de ta part. Hop, on récupère un peu. Les objets, tu parles? En fait, ouais, si tu regardes la minimap en haut, dans les 6 premiers étages, tu vas avoir des salles dorées comme ça qui te disent il y a un objet dedans. Après chaque boss que tu tues dans la dernière salle où il y a un petit symbole de tête de mort, tu auras un objet aussi dedans. Et après, tu as d'autres types de salles où tu peux en avoir, mais tu as moins de chances que ça arrive. Typiquement dans celle-ci, potentiellement il y en a, mais quand tu rentres et que tu sors, tu prends des dégâts, et comme j'ai peu de vie, je peux pas me le permettre. Et dans la salle du bas, il y en a forcément, mais pour rentrer, il faut que j'ai qu'un seul cœur. Bah, je vais pouvoir te montrer potentiellement après si je ne décède pas ici. Donc là, je vais descendre à un cœur. Les salles avec. Cette salle-là, elle ne s'ouvre que si j'ai un seul cœur. Voilà, j'ai repris un cœur, elle s'est refermée. Donc on va aller voir. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il va y avoir un objet dedans qui est très bien. Le problème, c'est que je vais devoir affronter deux boss d'affilée entre-temps. Et espérer survivre. On va essayer, parce que c'est marrant. Mais... potentiellement, ça me rend beaucoup plus fort aussi. Mais voilà, du coup, ça va être chaud de survivre. Que eux, ils laissent des traces d'espèces de caca jaune là. Espèce de diarrhée. Et quand je vais dessus, je glisse. Du coup, c'est plus dur de. De manipuler le personnage. Oh, c'est chaud. Je veux pas crever. The Crew 2, Minecraft, GTA 5 et plein d'autres jeux. The Crew 2, ça me parle pas du tout. Regardez. Autant les autres, je connais. Je joue sur quoi? Sur PC ou sur autre chose? The Crew 2. C'est un jeu de voiture? Bienvenue. Un terrain de jeu gigantesque en monde ouvert qui s'étend en travers. C'est genre. Ouais, un jeu de course, ok. Je connaissais pas du tout, tu vois. Ça me parle pas du tout. Récupère un cœur, c'est pas mal. On reprend ça. Il y aurait une deuxième clé pour pouvoir rentrer là. Ou potentiellement, il y a aussi des salles secrètes à tous les étages. Elle est peut-être ici. Elle n'est pas là. Dommage. Cool. C'est un début de run correct là, si j'arrive à pas mourir et si je trouvais des cœurs bleus pour protéger mes cœurs rouges, ça serait pas mal. C'est des voitures PS4, ouais, ok. Il faut bien faire gaffe aussi aux rochers, parce qu'il y a des rochers marqués dans lesquels il y a des choses à l'intérieur, il y en a un là, mais il me faut des bombes.
je n'ai pas. Oh, le birthright, je crois que c'est vachement bien. Il me faut de l'argent. J'aurais pas dû gaspiller ma bombe encore une fois. On va espérer trouver de l'argent. Ou des bombes, ou les deux. Nanana. C'est ouvert, ah, c'est un peu à la GTA du coup. Monde ouvert et tu peux faire des courses. Peut-être plus comme les Need for Speed de l'époque. GG. C'est bien. Hop, on gaspille un liqueur, on en reprend un autre. Et on avance. Il manque vraiment pas beaucoup de pièces, c'est dommage quoi. On peut tenter d'acheter une bombe dans le shop et casser la machine. Normalement ça peut donner plus de pièces. On peut en récupérer deux là aussi. Mais je perds un cœur pour ça. Pas évident de savoir ce que je fais là. Qu'est-ce qui est le mieux? On va tenter la bombe. Ok, je pense qu'on est récompensé. Je vais d'abord acheter la clé. Ouais, je travaille aussi, ouais. Les lives, c'est du pur plaisir. J'aime bien jouer aux jeux vidéo depuis tout petit et du coup c'est l'occasion de à la fois bah, de continuer de jouer parce que je kiffe, mais aussi de bah, potentiellement parler à des gens marrants, découvrir du monde. Est-ce que je perds un demi-cœur, allez oui. Ah, ça peut être pas mal, ça me donne des cœurs à chaque fois là, non? Que j'arrive à un. Ça marche si je fais ça d'ailleurs ou pas? Non. Du coup j'ai envie d'essayer ici pour voir. J'ai pas récupéré Pas tout compris. Est-ce que la bombe là elle casse la troisième? Je crois pas, hein. Ça casse que sur deux. Ouais je suis dégueu. Dommage. On va quand même regarder là-dedans, il y a peut-être des bombes, ouais. Coagulate. Alors qu'est-ce que ça fait le birthright de Eve? Eve. Non, on va juste taper birthright Isaac. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'objets dans le jeu, mais faut les connaître. Tainted Eve. Red Heart Clues, No Span Temporary, Alfred Hart on Death. Ah, du coup là maintenant avec l'objet que j'ai eu à chaque fois que j'ai un petit pote qui va décéder, il va faire tomber un demi-cœur rouge. Il va pas rester longtemps mais du coup ça peut me permettre de pas mourir. Faut vraiment pas que je meure sur le boss. Ça va pas être évident. Heureusement que mes araignées font un peu le taf parce que. Combien de fois il... Une fois, ok. Allez, décède. Oh, je trouve pas un cœur. C'est très très bien cet objet-là. Ça me donne un cœur gris et je tire plus vite. Oh, j'ai plus de clé, je peux pas aller faire... à chaque fois j'oublie, je peux pas aller côté The Beast, côté truc... Ah, côté Mother, parce que j'ai pas de clé. J'ai obligé de partir The Beast. C'est dommage. C'est très dommage. Trop tard. Et bah allons tenter The Beast et sinon j'irai faire Blue Baby en fonction. Dommage. J'optimise pas très bien là. Ça sent la bouffe, mais de la bouffe pas bonne là. Je sais pas qui c'est qui est en train de faire à manger là, mais. La daube.
Ok. Oh, ça peut être bien. Faut une bombe. Une carte de crédit. Fait que il y a une seule boutique qui est gratuite. Ça peut être vachement bien. Mais j'ai pas de bombe pour aller la chercher pour l'instant. Travaille où? Tu veux dire en termes de localisation ou en termes de pour qui je travaille? Pour enfin, qu'est-ce que je fais de... Hop. Ouais, on a rétréci. J'ai marqué, mais j'ai pas de bombe. Faut des bombes là. Trouve des bombes, il y a moyen de trouver plein de trucs si on a des bombes. Enfin, dans les deux cas, du coup, je travaille en région lyonnaise. Vers Lyon. Je suis développeur et de l'informatique. Ouais bah c'est pour une toute petite boîte, c'est une start-up. Wow. Vas-y mais d'où tu cours aussi vite toi? C'est abusé. Il m'a défoncé. Il m'a viré mon cœur bleu. Ah je suis un peu deg là qui m'est... Je me suis fait surprendre. C'est pour une petite boîte qui conseille les gens à placer leur argent correctement. On va aller voir le shop d'abord, mais bon. Ouais, je trouve des bombes. D'avoir perdu mon cœur aussi, mon cœur bleu, ça m'embête beaucoup aussi. C'était pas mal, mais sans le cœur bleu, c'est chaud. Développeur, ah non, pas du tout de jeux vidéo, non. De site web, on va dire. C'est vrai que j'ai pas précisé. Le site internet. J'ai envie d'essayer, je sais pas si c'était une bonne idée. Ça augmentait pas mal mon tir rétent, c'était une super bonne idée en vrai. Par contre, enfin, je suis fragile là, j'ai. Ça je peux pas aller le chercher, ça je peux pas aller le chercher, j'ai pas de bombe. C'est dommage qu'on ait pas eu de consommables qui allaient bien là. Il y a des rochers marqués, il y a tout ce qu'il faut, mais il me faut des bombes. Non, non, je fais pas de jeu. J'arrive à le tuer assez vite, lui, voilà. Il fait pas de dégâts. Tellement rien. Ouf. Pour des PC, je pourrais te conseiller. Oula, bah, je suis moi-même en galère pour essayer de trouver quel PC acheter. Pas certain d'être de bons conseils. Ça dépend du budget, ça dépend de plein de choses. N'en est pas.
Ça dépend de beaucoup beaucoup de choses. De quel type de jeu tu veux jouer, quelle résolution, enfin, ça dépend de pas mal de choses, mais principalement de ton budget. On va continuer, hein. Pas de bombe, pas de bombe. Après, le mieux du mieux, c'est si t'as quelqu'un autour de toi qui sait monter un PC. Parce que en général, ça sera moins cher si tu le fais toi-même. On peut gagner de l'argent grâce à ça, trop cool. Grâce à quoi? Là, je suis catacombe 2. Est-ce que je skip la salle de trésor en espérant avoir un planétarium? D'avoir augmenté notre tir rate autant, ça nous a mis très bien quand même. En créant des sites, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est un métier qui marche très très bien d'ailleurs. Développeur, c'est un des métiers qui. En tout cas, actuellement, je peux pas te dire si dans 10-15 ans ça sera toujours le cas, mais actuellement, il y a beaucoup beaucoup de demandes et ça manque de développeurs. Et oui, c'est un très bon métier. On a des ressources. Alors, le cœur bleu, c'est sûr que oui. Et du coup, sans doute que je vais me gaver en cœur bleu avec ça. 1, 2. Je pense que je vais pas aller dans l'item room. On a à peu près tout vu. Let's go. Si j'arrive à le taper par derrière là, pour lui faire un max de dégâts. Il peut même pas avancer tellement il prend du coup. Allez, ça dégage. Hop. Non, je voulais prendre les cœurs, je me suis raté. Genre, il faut être forcément dans une entreprise ou pas pour gagner de l'argent, ou alors comment? Comme ça. C'est pas très précis comme question, mais ça dépend. T'as plein de métiers différents. En vrai. Pour être développeur, soit tu travailles pour toi directement en créant une entreprise. Mais pour ça, bah, il faut réussir à trouver des gens qui veulent bien que tu trouves des missions à faire, quoi. Et c'est plus facile de passer par des entreprises qui trouvent les missions pour toi.
Pium. Cracked key. Oh, je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, mais là, ils sont tous morts. D'un coup. D'accord. Nos seuils d'accord du tout. Si on va chercher notre item room, on va prendre l'argent. Tac. Ah, mais non, mais j'ai pas vu que j'avais plus de clés. Pas attentif. Clairement pas assez. C'est quoi le D2? Salle de D, Isaac. À chaque fois je m'en souviens plus. Isaac Dice Room. Le 2. Reroll all pickaxe in the room. Juste. Ok. Si ça peut me permettre d'avoir des clés ou des trucs comme ça, je pense que. On va essayer. J'ai besoin de clés. C'est bien fait. Je vais garder la clé pour la salle d'objets. à ton âge, tu pourras pas te faire. Pas légal... Tu pourras pas légalement te faire embaucher, en tout cas, si c'est la question. J'ai vraiment besoin de clés maintenant. Je fais n'importe quoi, regarde, ouvre tes yeux, allez. Des clés. Merci. Un bon planétarium. Mercurius. Allez. Mmh. Des bombes, c'est les crânes et trouver des trucs. On va casser les feux, on va tout casser. Et de s'assurer de réussir à faire mais la liste. Par contre, faut que j'arrête. Hein. J'ai du mal à maîtriser mon perso. Il y a trop de trucs autour. Putain, mais c'est quoi cette odeur? Ils sont en train de faire quoi, mes voisins là? C'est infâme. Genre on dirait de... Je sais pas. Téléport. Dommage. On peut pas toujours gagner. Pas de clé. Quels sont les secrets là?
l'ermite. Jugement. Jugement dans la secrète, je suis chaud. Si je trouve la salle secrète. Pour l'instant, se fait dévirer. Ou alors je l'ai déjà trouvé, j'ai pas fait gaffe. Tété. Non, bah. À droite là. Quand même. La bonne thune, donne. Donne l'argent. Voilà. Jugement, on va essayer de nous ouvrir pour un objet de. De secret room. Oh. On va le prendre, hein, mais. On aurait préféré mieux. Récupération du cœur perdu. On va aller au shop acheter. Acheter ça, les cœurs bleus. 1, 2. Et on va. Oh non, je joue trop. On va ouvrir le coffre dans la salle de challenge. Téléporter avec notre objet. Mais non, parce que j'ai pas de clé. On oublie tout. Arrête de spammer. Arrête de spammer le boss. Il va si vite. Oh, il va trop vite. Tranquille. Allez, meurs. Il a de la vie en plus. Quoi ça? On l'a eu. Ok, c'est quoi notre pire stat? La luck, les dégâts. Oh, le tir rate en plus. Trop bien. Allez, un bon objet de God Room. Descends. Ok. Oh, pas forcément, non. Je trouve pas forcément ça abusé, c'est. Et il y a eu du taf avant, quoi. Et être connu, ça a quand même pas mal d'effets de trucs négatifs aussi. Que ça fait rêver quand tu te dis ouais il gagne autant d'argent mais il y a des choses pas si cool que ça. Ouais, mais pas. Enfin, il a réussi à se faire connaître quand même ce gars-là, quoi. Il a été au bon endroit au bon moment. Oui, peut-être que maintenant, maintenant, oui, il se met bien. Mais après, il y a plein de gens qui regardent, hein, donc. Et pour moi, il a tout à fait raison, quoi. Et avant ça, avant de se faire connaître, il a quand même dû être régulier, trouver un public. Enfin, c'est. Sûr que ça paraît trop cool vu de l'extérieur maintenant, mais en vrai, sa vie, je sais pas si je la veux, hein, parce que ça veut aussi dire que là, il est tellement connu, le gars, qu'il peut pas trop sortir de chez lui, qu'il y aura toujours des gens pour le faire chier, pour prendre des photos et tout. Donc certes, il a de la thune, mais il y a des côtés autres moins marrants. Hein.
s'en va. Donc je sais pas, donc ouais, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Il a eu de la chance que ça marche pour lui, tant mieux quoi. Ouais, bah ça aussi c'est important. Enfin, ce qui est la deuxième partie de ta phrase, elle est quand même très importante. Il y a peut-être des trucs que tu vas faire maintenant et que tu regretteras plus tard, tu vois. Donc c'est pour ça que. Merde. Attendre d'être plus vieux, ça peut être une bonne chose aussi. Enfin, mais je comprends que ça soit hyper, hyper frustrant, par contre. On te dise ça, quoi. Ça, c'est certain. Deux cœurs bleus, ermite. Oh non, j'aurais préféré avoir un chop, là. Parce que, on la sortait aussi quand j'étais jeune, hein, tu verras quand tu seras plus grand. Et c'était hyper relou quand on dit ça, quoi. Je pense que si dans 4-5 ans t'as toujours envie et que t'as. Mais en vrai c'est hyper compliqué hein, parce que faut être tout le temps disponible, jouer super régulièrement. Enfin jouer ou faire autre chose d'ailleurs, mais. Faut une régularité de fou quoi, c'est ça qui est complexe quand même. Ceux qui font du Twitch ou du YouTube, ils ont pas de vacances quoi. On va toute l'année. Hein. Ouais. Ah, oh, ça va venir. Si déjà t'as des trucs qui fonctionnent, c'est bien. Hein. Enfin, franchement. Hein. GG. Hein. Secrète ici. Bon, bah c'est. Tu fais quoi comme vidéo du coup? Quel type? Ah si la secrète elle est là-bas, ça serait vachement bien. J'ai testé ici ou pas? Je sais pas si j'ai testé la secrète là. Et elle est en haut là-haut. J'ai testé déjà là. Putain, je me souviens plus, je perds la mémoire. De tout. Les trucs de musique. Si elle est là, ça serait vachement bien. Ah, dommage. Soul of Eve. Non merci. Strength, ça peut être cool. Aïe. Qu'est-ce qu'on
qu'on peut trouver là-dedans? Un lit. Un lit, lui on va l'éclater. Hein. Donc, j'ai pas de clé. Hop, on va vider les cœurs et on va dormir dans le lit. Je crois que ça me refile mes cœurs rouges, le lit. Oui. J'ai pas de clé. Je le fais exprès, je crois, d'utiliser mes clés alors qu'il faut pas. Bon, je récupérerai les objets dans la descente, mais. Quand même. Quand même, c'est pas très malin. J'ai toujours pas trouvé. Si, j'ai trouvé la secrète, mais pas la super secrète. Super secrète ici. Non. Là. Ouais. Petit cœur blanc. Ça se prend. Allez, let's go. Du coup, cette fois-ci, ça n'a vraiment pas d'importance puisque je vais voir The Beast. Et hop, TP back. C'est dommage que ça se ferme, ça. Je pourrais le nourrir, mais ça me sert à rien. Je crois qu'on a tout vu, hein, vu que j'ai pas de clé, j'ai pas de clé. C'est parti. Go The Beast. Oh, rocher marqué. Donne le cœur bleu. Deux cœurs bleus. Parfait. Ça avance pas mal là. Manque un peu de dégâts, mais. Mais c'est pas impossible pour The Beast dans l'état, on va dire. Ouf. Ok. Ok. Très bien que j'arrête de tout me prendre. J'ai un peu fait rouler dessus. Oh. La 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 la. Strength. Je pourrais rentrer là, perdre un mi-cœur, espérer quelque chose. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça sert à rien. C'est dommage. Ah bah si, ça sert si je reste bas en... Ah bah si, c'est bien avec perso en vrai. Que dis-je? C'est très très bien si je reste bas en cœur du coup. L'esquive. Je veux bien mon shop, s'il vous plaît, et je veux bien des clés aussi. Faut vraiment des clés. Au moins une pour le shop, quoi. Aïe aïe aïe. Putain, mais j'ai tout pris, quoi. Aïe 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 aïe, je prends cher là. Ça se passe mal, ça tourne mal. Ça tourne mal. Comment ça? Elle est pas là? Je trouve pas la secrète. Il faut mourir, monsieur. Merci. Ah, il y a une clé, mais je peux pas aller la chercher. Je peux pas mettre la bombe là. Elle reste
coincé. Une clé. Allez, donne la clé. Pas le crevard le jeu. Merci. Secrète. Ouais. Je peux pas gaspiller la clé ici, je suis obligé d'aller là d'abord. Je peux chercher une bonne carte. Hierophant, oui. Non, ça sert à pas à grand chose, mais. Era Walk, oh pour le boss de fin, c'est trop bien. Du coup, je vais pas chercher d'autres cartes, je pense. Ça. Est-ce que ça double mes petits potes, ça? Parce que si oui, on va partir sur ça, je pense. Hein. J'avais un coffre à aller chercher ici, potentiellement. Non. Pourquoi j'ai des larmes qui partent en couille, hein. Lui qui génère là. Stop. Voilà. J'ai entendu le bruit d'une clé. On va essayer d'ouvrir un coffre de plus. On va aller chercher les deux cœurs squelettiques. Ouf. Oh. Oh. Allez. Putain, Era Walk sur le boss de fin, ça peut me mettre super bien. Faut juste que j'arrive jusqu'au boss de fin sans crever. Il me faut des clés. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait ça en dessous. Il me faut des clés aussi en passant. Il y avait une clé là? Ouais, mais je pouvais pas la prendre. Ok, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Je reviens pas plus tard. Let's go. Get over it. Bim, deux cœurs rouges. Donne-moi des clés le jeu, s'il te plaît. Pas des coffres, des clés. Non, mais je peux pas l'esquiver, lui. Une clé. J'aime. Déjà pas mal. Les deux sont très bien, mais je pense que ça, c'est mieux. Bone Tears. J'ai entendu le bruit d'une clé, j'espère qu'elle est pas au milieu. Dommage. J'ai pas de bombe. On va, hein, je crois. Il y avait un demi-cœur, je peux le prendre. On prend. Voilà. Youp. Aïe. Aïe. Il est où mon perso? Je vois même plus tellement c'est le bordel. Oh là là, mais il faut tellement de clés.
Une. Pour aller rouvrir la salle, le trésor, donne-moi un vrai truc. C'est nul ça. Reroll stat, non, je ne souhaite pas reroll mes stats. Pas du tout le bordel. Even disturbed, just like his father. Look at who he has to look up to. You're drunk again, aren't you? Shut up, man. Shut up. Just keep pushing me like this. I'm leaving. What? Putain, je me suis... En fait, je confonds la position des petites billes avec mon personnage et du coup, ça fait des trucs de merde comme ça. Je crois rien, quoi. Là, j'avais déjà été. J'ai perdu pas mal de cœurs, c'est dommage. Je cherchais une clé, il m'en faut encore une. Non, mes petits potes. Parti au combat. Parti trop tôt. De son inversé. Bon. Heureusement que j'ai deux speed. Hein. Toujours pas de clef. Allez, on cherche une clé. Ah, j'ai la dalle. T'as déjà mis 40. Donc je prépare ma tartiflette là. Allez, on remonte. Oh, le cœur rouge. J'avais fait exprès de les laisser, évidemment. Oh, la petite clé juste devant la salle, là. Oui. Pression, c'est pas extraordinaire, mais ça joue. Toi, tu sais pas ce que tu manges. Toi qui fais la bouffe. Non. Oh, le petit classique pâte, hein. Au pire. Oh, j'aime pas. Il va mourir, merci. Pas de rocher marqué. Et de base on prévoit, mais là non. Ça va être à l'arrache, alors. Très bien aussi. Your soul. Oh non, je peux pas les faire, c'est ça, elles sont horribles. Bien trouver la salle de trésor parce que ça se peut, je l'ai pas faite. C'était en bas. Et si je l'avais déjà faite. Dommage.
J'ai faim. Oh, je vais pas me faire chier à faire cette salle horrible. Pas de rocher marqué au passage. Ça, ça va. Normalement, on va pouvoir se tuer assez facilement. Est-ce que t'es en vacances? Et non, malheureusement. Des avantages de plus être à l'école. C'est fini ça. C'est que 6 semaines par an là. J'avoue que. Mais en vrai, je pose une semaine dans 2 semaines, je crois. Toi, tu l'es? Là. Je cherche la salle d'objets encore. Pas de rocher marqué, non. Bon, j'avoue, j'aimerais bien être en vacances 2 mois là. Oh, le bonheur. We need you. Your sons need you. C'est bien ça. Je vais pas avoir beaucoup d'argent à mettre dedans, mais par contre, faut que je reste dans la salle. Petit 2 mois de vacances là. Très chaud. Ça bug grave, l'écran est tout noir. Ah bon? Pourtant, je vois pas de drop de frame. De mon côté, ça a l'air ok pourtant. Tu m'entends déjà? Moon, ça sert à rien. Oh, un petit cœur bleu. Double era walk. Dommage que je puisse pas emmener les deux. Oh, je m'embête à le faire, ce boss. Je ne sais pas. Pas un boss. Mais... Voilà, j'ai pris un coup. Bêtement. Pas d'être bête. Let's go. C'est une pile que j'ai déjà prise, donc on va pas la prendre. Du coup, je déboîte tous mes petits potes. Hop, je les crée. Après, je me mets dans le lit pour remettre mes cœurs rouges à fond. Après, une fois que si j'arrive à passer le premier boss, le reste, ça sera facile avec Erawulk, normalement. Biouh. Les gars, c'était le meilleur que je pouvais avoir, je crois. On a drop quoi là? À Galaz, on s'en fout. Allez, c'est parti. Je pouvais te tuer rapidement, toi. Très chaud. J'ai toujours pas fini la première version, hein, sérieux?
On essaie de poutrer très très vite. Oh non, pas la retourne. Arrête. Oh, j'ai failli me suicider, j'avais pas vu. En restant appuyé comme un débile. Ça c'est pas loin. Hein. Ouf. J'étais à ça de me suicider. En restant appuyé. Allez, let's go. Era Walk. Et là maintenant, ça devrait aller. Genre, il est pas mort quoi. Ouais, Raoul, c'est trop bien quand même. Quand t'arrives à l'emmener sur les boss de fin, c'est vraiment OP quoi. Hop. Le nombre de trucs de sprites qui partent. Là... Il n'a même pas le temps de bouger. C'est parfait ça. Allez, ça dégage. Un de moins. Plus qu'un. Avant le dernier. Plus qu'un des chevaliers. Let's go! Toute la bête. Pas si mal que ça, hein. Toujours pas tué la première phase. Ils vont tous crever dans les flammes, là, c'est ça. Je les a ramenés, du coup. Avec Era Walk, il est plus facile ce boss, hein. Allez. Heartbreak. C'est bien ça, je crois. Ah, Heartbreak. Tat. 539 secrets. Plus que 98. Je veux bien mettre à jour la valeur, je... merci. Tac, donne. Et bah c'est peut-être bon pour ce matin. C'est dommage parce qu'on aurait dû faire un objectif de plus si j'avais pas fait n'importe quoi. Et du coup on a encore Blue Baby à faire avec
avec Eve et puis Mother. J'étais sur le départ là. Je vais m'arrêter là. Je vais bouffer, enfin préparer à manger là, j'en ai pour un petit moment. Et puis voilà, si t'aimes bien ce genre de truc, de contenu, t'as toujours la chaîne YouTube qui est associée où je poste tout. Parce que les replays sur Twitch ne restent que 2 semaines pour le moment. Et peut-être que je streamerai cet après-midi, mais on verra. Bon conseil.